Alors, petit tour ce matin à Caille. Découverte. Un robe à droite. On a le banc en face. Hein. Moulin de Saint-Julien. Et du monde. À droite. On va pas vite, il y a une épingle en bas. Caca. Encore une montée. Une traversée à l'arrache. Droite. À droite. Descente de la dalle. C'est le nom que je lui donne. Hop là. Alors, tu vérifies si c'est humide après la dalle. Hein. Si tu me laisses passer, je te mets la bonne allure. C'est la mienne. Il n'y a pas de virage, il n'y a rien, c'est tout droit là. Il n'y a que l'histoire de glissade. Un peu plus.
certaine, on va tous les gagner. Mais j'ose pas aller vite là. C'est là. Moi, c'est là que je voulais prendre. Si tu veux passer devant, je te filme. Ouais, hein, c'est dur. C'est après que c'est dur. Vas-y, passe. Ah, vas-y. En bas, eh ben, en bas, c'est en bas. En bas, c'est en bas. C'est tout droit, puis ça va sur la gauche. Et vous ne savez toujours pas le nom de ce bouquin, s'il n'y en a pas. C'est casse-gueule, hein? Et en bas, ça sera à gauche. Tu vois de la voie rapide, ça aussi. Là, pour le Mistral. Il y en a deux pour les randonneurs pour le vent. Quand c'est du Mistral, c'est plus là à toi aussi, tu te mets derrière, tu manges. La Bacarie, là. Une chaussée à droite. Le Romaron. Le plateau à droite du chemin, c'est le Romaron. Là, on va jusqu'à la citerne et citerne à gauche. On va voir si. On trouve un départ pour descendre cette crête là-bas, au milieu. Là-bas. Moi, j'ai jamais vu de départ là-haut. On verra bien. Voilà le Romaron, donc. Là. Bon, on a peut-être trouvé, reste à savoir si c'est faisable, on sait rien. On a trouvé grâce au repère de Pipeline. Oh, ça
c'est trop cool que ça passe. Si ça passe pas, on monte comme d'habitude. C'est bizarre que je n'ai jamais trouvé ce truc. Il part beaucoup vite là-bas. Aïe aïe aïe. C'est bien ça qu'on voit de loin. Hein. Un bras qui est débarbouillé ou je sais pas quoi. Et ben, Nicolas va être content, on l'a trouvé. J'ai l'impression qu'on pourrait presque le monter là, jusqu'à là. Après le reste, je sais pas. Non, c'est trop elle. Ah. C'est casse-gueule, oui, ça, je sais. Putain, ça roule. Hein. Ah, d'accord. À gauche, le mieux, c'est sur les gros cailloux. Là. La roche. Ah, il est parti là dans la terre lui. C'était mieux à gauche hein, là, non? Moi je suis passé. Je suis passé dans ça. Là à gauche, ça m'a l'air mieux, il y a la roche. Ben, je sais pas pourquoi je suis pas allé là, mais quand j'étais en haut, j'ai pas. Ah ouais, par contre les cailloux sont trop gros là. Ouais, cailloux, hein, c'est pas mal hein. Ouais. Ben j'ai mis voilà, deux pieds juste là. Oh mais c'est hard en bas hein. C'est un peu hard hein quand même. La pièce est raide, oui, non, c'est un peu hard. Alors, qu'est-ce que ça dit d'en bas? Ça plus tout l'autre partie. Qui est moins pentu. Et d'habitude on arrive par là. Juste en freinant dans le raid, j'étais là quand je regardais le profil. C'est ça. C'est tout vachement mou moi. Voilà, retour à la citerne. On est passé tout à l'heure. Allez à droite. C'est que de la mauvaise caillasse. Hein. Et ça va pas vite là-dedans. Hein. La dalle, c'est au prochain pylône là-bas. On va la refaire, c'est pour ça qu'on passe par là. Bon, celle-là, je ne l'aime pas. C'est là, là. Thank you.
tout droit, tout droit. Le prochain, ce sera à gauche. Allez, on remonte prendre la dalle. Allez, la dalle. Comme c'était la première fois qu'il le faisait, ouais, ouais. Attends, un petit fil qui vient faire chier. Ça me fait descendre. Quoi que ce soit. Oh là là, qu'est-ce qu'il prend un turbo tout le temps. Il fait. J'ai mal aux jambes. Ouais, j'ai fait du hors-piste. Et retour au moulin. De côté cette fois. On va prendre une petite descente rigolote. Il passera comme moi, hein, parce qu'il y a un endroit, le sabot il touche. La grosse pierre là. Le sabot il touche. J'ai essayé. T'es passé sur le caillou? Ouais, mais à droite du caillou, merde, c'était là à gauche. Là, je suis jamais allé, donc j'y vais pas. Pour le moment. Ouais, des oies sauvages. Putain. C'est bon.
matin aujourd'hui, on en aura pris des cailloux. Hein. Là, il se met où il doit être. Et voilà le trou du loup. C'est désolé, c'est le nom du quartier et du vallon. Et voilà, la boucle est bouclée. Regarde ce qui est carré là, hein.